Alors désolé si vous entendez du bruit, mais j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre tellement qu'il fait chaud là. On a besoin d'air. Respire plus, c'est horrible. Bon, sinon j'espère que vous allez tous bien, hein. C'est le plus important quand même. Et aujourd'hui, bah, je vais vous montrer mes créations du mois de juin. Et j'en ai fait énormément, donc on va essayer de faire vite. C'est pas gagné. En plus j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais pas pouvoir tout vous dire. Déjà ce que je peux vous dire, c'est que j'ai enfin ouvert ma boutique sur le site Un Grand Marché. Donc pour l'instant il n'y a que des anciennes créations, mais j'y vais au fur et à mesure. Je commence par les anciennes pour finir par les récentes. Ouais, moi je fais ça comme ça, après voilà. Mais pour l'instant voilà, je l'ai quand même ouverte. Il y a eu quelques-unes de nouvelles créations, mais la plupart c'est des anciennes. Mais ils sont en petit prix. Donc voilà, hein, bref, j'ai ouvert mon site internet, enfin mon site, ma boutique sur le site Un Grand Marché. Parce que Etsy, je le redis encore une fois, je n'aime pas ça, je trouve que c'est des voleurs. Mais c'est que mon point de vue. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en ce moment, je vous ai habitué à une vidéo par semaine. Bon, à part la semaine dernière où j'ai loupé une semaine. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà ce que je voulais vous dire, justement, ne vous habituez pas trop à ce que je vous poste une vidéo par semaine, parce que vu qu'en plus là, les filles sont en vacances, et bah ça va être compliqué de faire des vidéos. Donc vu que moi je fais les vidéos au jour le jour, hein, faut savoir ça, moi je suis jamais préparée à l'avance, hein, à part pour les tutos, mais les tutos c'est pareil, je suis en retard dessus. Mais faire les montages vidéo, je les fais au jour le jour. Donc voilà, pour ça là j'ai aucune vidéo qui est préparée à l'avance à part les tutos, c'est tout. Bref, on s'en fout. Mais ouais, tout ça pour dire, faut pas vous habituer à avoir une vidéo par semaine, ça va être mission impossible. Hein. Voilà, j'y ai réussi tant bien que mal, je sais même pas comment j'ai fait, mais... N'en prenez pas l'habitude. Donc je dis ça aux quelques personnes qui regardent, parce que je me rends compte qu'en ce moment j'ai une baisse de régime au niveau des vues, c'est hallucinant. Moi je me dis qu'il y a eu les vacances, il y a aussi tous les examens qu'il y a eu aussi. Donc en même temps c'est pour ça. Et je sais que la plupart des gens, vous êtes vraiment très très peu nombreux à aimer mes vidéos longues. La plupart des gens ils préfèrent des vidéos courtes. Moi la première. C'est pas bien, mais quand une vidéo dépasse les 10 minutes, franchement j'ai pas envie de la regarder, ça me saoule royal. Et moi, je me permets de faire des vidéos de 20 minutes. Comprendra qui pourra. Moi, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires parce que ça me touche énormément et franchement je vous tiens mon chapeau parce que moi, sur toutes les vidéos que je peux regarder, je laisse jamais de commentaires. Et quand t'as pas de commentaires sur une vidéo, je sais à quel point c'est frustrant. Donc je vous remercie les filles qui me laissaient et les garçons. Pardon, qui me laissait des commentaires, ça touche à un point, vous imaginez même pas quoi. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment j'ai enfin acheté du papier à poncer. Et du coup, ce mois-ci, bah, j'ai fait plein de créations pour pouvoir les poncer. Donc j'ai pas fait énormément de petites chili, bah, j'en ai fait qu'une. Oui, j'en ai fait qu'une. J'ai fait principalement des créations que je peux poncer pour voir le résultat que ça allait donner. Du coup, voilà, j'ai fait plus de techniques. Des bijoux techniques que des bijoux modelage. Ouais, t'as compris. Hein. Donc du coup, voilà, ouais, ce mois-ci, j'ai passé plus de temps à poncer qu'à créer. Voilà, c'est clair, c'est ça. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, ça y est, j'arrête là et je vous montre tout de suite les créations que j'ai réalisées de juin. Donc pour commencer, bah celle-là date pas du mois de juin, elle doit être du mois de janvier ou février, je ne sais même plus quand est-ce que c'était. Mais j'avais réalisé cette petite couverture de carnet que je vous ai fait en tuto en trois parties. Il y avait la première partie des dégradés, la deuxième partie sur les cadres et la troisième partie sur le résultat final. Donc voilà ce petit carnet que j'ai quelque peu modifié après vous avoir fait la vidéo. En fait, j'ai changé le marque-page et à l'intérieur j'ai changé aussi les premières pages, les premières et la dernière. J'ai mis du papier scrap pour que ça fasse plus joli. Voilà. Bref. Voilà un petit carnet. Customisé. Et vu que j'avais acheté un lot de carnets, et bah j'ai fait le deuxième carnet avec une couverture de carnet printanier. Voilà, j'ai fermé la fenêtre, comme ça au moins je serai plus à l'aise parce que j'avais pas envie que les voisins m'entendent parler comme une con. Bon bref, donc le deuxième carnet que j'ai fait, et bah c'est tout en feuillage. Voilà. Voilà,
Ensuite, pour une commande spéciale, j'ai réalisé cette petite plaque de porte pour la jolie petite Ambre. Alors, je sais pas si vous en souvenez, c'était quand, il y a 2 mois ou 3 mois, je sais même plus. En fait, j'avais fait un collier comme ça, que d'ailleurs je vous ai fait en tuto, qui arrivera très prochainement. Et du coup, la personne voulait la même chose, Stéphanie, bisous, qui voulait la même chose pour sa fille, en plaque de porte. Donc voilà. Ensuite, les bijoux que vous allez voir, c'est des très vieux bijoux que j'avais mis dans un tiroir dans l'espoir de les poncer un jour. Et vu que maintenant je peux enfin poncer, et ben je les ai poncés. Et voilà ce que ça va donner. Ce que ça a donné, pardon. Donc c'est des très anciens, mon bijou. Franchement, ils sont hyper vieux. Je pourrais même pas dire de quand est-ce qu'ils sont. Et en plus de ça, je suis dégoûtée parce que je les adore. Mais je sais même plus quelle technique j'ai utilisée pour obtenir tout ça. Le premier collier, il est tout simple en fait. Celui-là, je me souviens très bien, c'est juste la couleur jade de chez Fimo que j'ai utilisée. Et une fois poncé, ça m'a fait plein d'effets. Trop magnifique. Alors c'est tout simple, c'est juste de la pâte Fimo jade, dans le support camé, et basta. Voilà. Mais quand il n'était pas poncé, il avait un aspect assez rugueux. Enfin, c'était bizarre, ça faisait pas ce que je voulais. Donc je l'avais mis de côté pour le poncer. Et ben voilà, maintenant c'est poncé et c'est magnifique. J'adore. Alors là, il va falloir que j'achète de quoi lustrer, parce que là j'ai que vernis du coup. Mais à mon avis, lustrer ça va être encore plus beau quoi. Alors là déjà je l'aime beaucoup. C'est juste la couleur jade, moi j'adore cette couleur là. C'est ma couleur chouchou. Bref, voilà, juste une pierre jade. Ensuite, il y a ce petit collier là qui logiquement devait être le collier de Vaiana, mais finalement bah, je préfère le laisser comme ça parce que je le trouve très bien. Donc là, c'est pas, je sais plus. Donc là, j'en ai aucune idée de la technique que j'ai utilisée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait plein de peinture et avant de le poncer, en fait, la pierre elle était toute noire, elle ressemblait à rien du tout, elle était rugueuse, elle était toute cradingue. Et j'appréhendais dans quel état elle allait ressortir après le ponçage et finalement, c'est passé bluffant. Ah, c'est une pierre assez foncée, hein, mais elle a plein de petits détails qui sont vraiment très jolis. Et je suis dégoûtée parce que je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique pour faire cette pierre. Parce que j'aurais bien voulu la faire d'une autre couleur, quoi. Faudrait que je fasse mes petits tests de mon côté. Et puis on verra plus tard. Voilà. Mais là, normalement, c'était censé être le collier de Vaiana. Mais finalement, bah, je préfère le laisser comme ça. Ensuite, là, j'ai eu cette petite pierre toute simple. Et c'est pareil, je sais pas ce que j'ai utilisé comme technique pour avoir toutes ces nuances de bleu qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est un petit collier tout bleu, tout simple, mais que j'adore. Et ensuite, il y a cette petite pastille là, c'est pareil, je suis dégoûtée, je sais plus quelle technique j'ai utilisée pour obtenir ça, et j'adore, j'aurais bien voulu le faire dans d'autres couleurs quoi. Là, il est tout en bleu et vert, avec plein de paillettes. J'adore, il est joli. Ensuite, là, c'est mon petit coup de cœur, franchement, je l'adore, c'est vraiment mon chouchou, il fait partie des très vieux colliers. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire l'effet ambre, des petites pierres effet ambre. Et pareil, je sais plus du tout quelle technique j'ai utilisée pour obtenir ce résultat, mais c'est trop beau. J'adore toutes les nuances qu'il y a à l'intérieur. J'aurais dû noter cette technique-là, parce que franchement, j'adore. Et je sais plus comment j'ai fait ça. C'est horrible, c'est frustrant. Ensuite, j'ai réalisé une collection de boucles d'oreilles et de bagues parce que je me suis rendu compte en faisant ma boutique justement que j'avais pas énormément de boucles d'oreilles et de bagues à proposer. Donc du coup là j'en ai fait toute une collection que je me suis aussi amusée à poncer pour que ça fasse plus joli. Donc voilà. Alors pour cette bague là j'ai utilisé la technique de l'effet céramique. Ensuite pour cela c'est le sit and slice. Pour celle-là aussi, c'est le sit and slice. Pour celle-là, j'ai utilisé l'effet nacré, mais il ressort pas terriblement. C'est pas génial.
Pour cette bague là j'ai utilisé la technique du watercolor mosaïque, mais à une seule couleur, donc du coup c'est encore quelque chose de différent. Pour cette bague là c'est un Mika Shift en dégradé. Pour cette bague-là, c'est juste un silkscreen. Pour cette bague-là, c'est un Hidden Magic. Pour cette bague-là, c'est un Moku Megane. Pour cette canne-là, c'est un effet dentelle, une canne effet dentelle. Pour celle-là, c'est la même chose, c'est une canne effet dentelle. Ça s'appelle comme ça, mais pour moi, ça ressemble pas du tout à une dentelle, mais bon, c'est pas grave. Pour celle-là, c'est pareil, c'est une canne dentelle effet miel. Du moins, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour faire l'effet miel. Pour cette bague-là, c'est encore l'effet nacré, mais sur celle-ci, ça se voit un petit peu mieux. Pour cette bague là, c'est encore la canne dentelle avec l'effet miel. Et pour finir dans les bagues, c'est juste une carte à jouer. L'as de cœur. Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie, tout simplement. Et pour aller avec les bagues, j'ai aussi fait les boucles d'oreilles assorties. Donc là, c'est le watercolor mosaïque qui va avec la bague, le Moku Megane, le silkscreen, le Hidden Magic, l'effet nacré, ensuite là c'est aussi un Hidden Magic mais ça va avec un collier que je vais vous montrer plus tard. La canne dentelle. L'effet céramique. Le Soot and Slice. C'est le seul tuto que je vous ai pas fait sur cette chaîne finalement. La canne dentelle. La canne dentelle effet miel. Le Mika Shift, toujours en dégradé. J'adore avec le ponçage, ça fait ressortir vraiment tous les détails. Pour ça, je regrette pas d'avoir perdu mon temps à poncer tout ça. Encore une autre paire de boucles d'oreilles avec le Hidden Magic de tout à l'heure. Avec l'effet dentelle. Et pour finir, la seule paire de puces, canne dentelle, effet miel. Je me suis amusée à faire une collection sur les mignons, plein de petits mignons, parce qu'avec les filles on a regardé, on s'est refait toute la saga de Moi Moche et Méchant, et du coup j'ai eu envie de faire des mignons, tout plein de mignons, tout plein de mignons. Et justement il y en a un que je vous ai fait en tuto, je me suis dit allez hop, c'est le moment ou jamais, même si on a déjà plein, c'est pas grave, un de plus ou un de moins, ça change pas grand chose. Voilà. Donc on commence avec les marque-pages. Là, il y a un petit mignon avec un ourson dans ses bras.
Il y en a un autre version bébé, avec une couche sur la tête, hein. Voilà. Et le dernier qui est déguisé en, on va dire, en hawaïen. Voilà. Ensuite, on a les porte-clés mignons, un tout simple, voilà, sans chichi. Deuxième que je vous ai fait en avec son air dubitatif. Et pour finir avec les mignons, eh bien, il y a ce petit bracelet. Avec Stuart, Bob et Kevin qui sont vraiment tout minuscules. Ensuite, encore un tuto que je vous ai fait et c'est un petit retour dans mon enfance. C'est ce petit Me Too You que j'ai monté en porte-clés. Je trouve que j'ai fait un petit peu trop bossu, mais sinon il me plaît bien quand même. Ensuite, je suis toujours dans ma folie de la nature, de ambiance tropicale, et donc il y a ce petit sautoir, tout en feuillage. Et dans la même ambiance, il y a celui-là, version translucide. Même si là, ça ne se voit pas forcément. Ensuite, j'ai réalisé ce petit colis-là avec un Nylon Magic et un Mecha Shift. Dans les tons bleus avec une petite touche de rose. C'est une forme hexagonale, j'adore cette forme-là en ce moment. Et vu que je suis tellement fan de cette forme-là, et ben j'ai fait la même chose en jaune. J'adore le jaune. Et là, c'est encore une fois avec l'effet miel. C'est un petit clin d'œil pour nos amis les abeilles. J'ai encore l'effet canne dentelle, l'effet watercolor mosaïque. Et là, ben, la ruche d'abeille. Voilà. Toujours dans le jaune, parce que j'adore le jaune et que j'ai envie que le soleil reste avec nous. On en profite pendant qu'il est encore là. Et bien j'ai réalisé ce petit collier avec des pastilles, avec l'effet, avec le watercolor mosaïque et la Hidden Magic. Et pour aller avec, il y a le petit bracelet. Et vu que j'adore le rouge, et ben j'ai fait la même chose en rouge. Hidden Magic, watercolor mosaïque et un effet mousseux. Si on peut dire ça comme ça. Et bien évidemment, pour aller avec, et ben il y a le bracelet. Avec le reste de la bague et des boucles d'oreilles, j'ai réalisé aussi ce petit collier-là, effet nacré. Et avec le reste du watercolor mosaïque, eh bien, je fais aussi ce petit collier. Avec une belle et grosse perle, comme je les aime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de bijoux comme ça.
tout simple, mais moi j'adore. Toujours pour nos amis les abeilles, j'ai aussi ce petit collier. Ensuite, j'ai ce petit zozio tout mignon qui est posé sur sa branche. Toujours dans les oiseaux parce que je suis une très grande fan et que j'aimerais énormément en avoir un, mais avec mes trois chats c'est pas possible. Et bien j'ai fait ce petit perroquet, ce hara, que d'ailleurs je vous ai fait en tuto. Je suis pas spécialement convaincue, mais bah voilà, quoi, je vous l'ai fait quand même. Ensuite, j'ai réalisé ma petite fée, ah non, pardon, sirène, clochette, pour changer d'habitude. Mais ne faites pas trop de bruit, elle vient de s'endormir. Ensuite, toujours dans ma collection Me Too You, le petit porte-clés que je vous ai fait en tuto, et ben j'ai fait son petit compagnon en collier. Un petit Me Too You qui souffle sur du pissenlit. Voilà. Et une autre version du Me Too You qui est cachée derrière ce qu'on veut. Il y a une de mes filles qui m'a dit que c'était un bateau, il y en a une autre qui m'a dit que c'était une table. Donc après, c'est comme on veut. Voilà. Suivant son imagination. Tout petit Me Too You, il est trop mignon. Pareil, au niveau du bleu, il y en a une qui m'a dit que c'était la mer et l'autre qui m'a dit que c'était le ciel. Donc c'est ce qu'on veut. Voilà. Et pour finir, la dernière création que je vous ai aussi fait en tuto, je rêvais de la faire depuis une éternité. Et ben voilà, maintenant c'est chose faite. Et il s'agit de Marie dans les Aristochats. Non, c'est pareil, je suis pas vraiment convaincue, mais bon, voilà quoi. Et puis bah voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo qui a été trop longue encore une fois. La prochaine fois, je me montrerai même pas, je vous montre directement les créations comme ça à l'arrache, à la Wild Again et Pistofly. Peut-être que la prochaine fois, ça ira plus vite. Ça sera moins convivial, mais ça sera plus rapide. Après, faut savoir ce qu'on veut. Une vidéo rapide ou une vidéo avec beaucoup de blabla? Plus convivial ou plus direct? C'est à vous de me dire. Bon bref, j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura plu. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça sera avec le plus grand plaisir si je peux les réaliser, bien évidemment. Parce que si j'y arrive pas, bah, je peux pas. Voilà. Et puis voilà. Encore ce fameux voilà. Oh, il est chiant ce bout-là, il me quitte pas. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Bon, j'espère que cette vidéo vous... Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Hey, bye bye. Voilà. 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 Voilà.